Automatique, ok. Attendez, MS, oui. Putain, mais j'ai avalé un truc de travers comme un. Depuis mais alors. Depuis ma naissance, je possède un don étrange. Celui de percevoir des choses que personne d'autre avant moi n'a jamais réussi à voir. Attendez, je vous augmenterai peut-être le son après. Tout se mélange dans ma tête. Les images, les sons et même les odeurs. Je peux aller dans les paramètres ? Il faut que je me rappelle. Que je remette de l'ordre dans tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Je dois me rappeler qui je suis vraiment. Si je dois vous raconter mon histoire, alors autant commencer par là. Très bien. Est-ce que je peux aller dans les paramètres ? Je vous ai trouvé toute seule au bord de la route, au milieu de nulle part. Vous avez eu un accident ? Est-ce qu'on a essayé de s'en prendre à vous ? Un nom, par exemple. On est d'accord qu'il y a une tête de cul, non ? Je fais absolument pas confiance là. Avoir de la famille. J'arrive à analyser moi ça. Quelqu'un qui pourrait me dire qui vous êtes. Vous n'êtes pas bavarde, hein ? Si vous m'aidez pas, je peux rien pour vous. On n'avance à rien. J'ai pas envie de te parler, tête de cul. C'est une cicatrice. Elle est récente. Les empêcher d'intervenir, ils sont complètement dépassés sur ce coup. Dites-leur d'attendre que j'arrive là. Bon sang, alors rappelez-les immédiatement, vous m'entendez? Vous devez absolument les en empêcher. Imbécile, quel grand imbécile. Je sais. Ils arrivent. Oh putain. Connor Tier. Calme, qu'est-ce qui se passe? La fille que vous avez ramenée, où est-ce qu'elle est? Bon, il est en train de nous embrouiller là. Qu'est-ce que c'est que cette course? Attends, faut pas que je commence à m'emmêler les pinceaux les mecs, je me concentre. Sinon je vais rien comprendre à l'histoire. Attends, c'est le même endroit ça les mecs ou pas? Ah! Attends! Jody, qu'est-ce que tu as fait? Ok, elle s'appelle Jody. Par contre, les voix sont pas fortes par rapport aux musiques. Ok. Bon, Jody a tout enculé apparemment. Merci Yaet, merci LR, Five, Calicos, Plasma, Sticky, Five, Elkio. Merci beaucoup. L'expérience. Merci Yumiko. On va jouer, vous inquiétez pas. J'imagine qu'à un moment, il y a du gameplay quand même. J'ai hâte. J'ai hâte d'avoir... Ok, ça je pense que c'est Jody petite. Ah,
Ah, te voilà. Alors, comment tu vas aujourd'hui? Bien? J'aime pas devoir te déranger pendant que tu joues, tu sais bien, mais... Mais je crois que c'est l'heure, princesse. C'est la même tête. Ah, nickel. J'ai pas... Alors, attendez, parce que là... moi, j'ai une petite question. Bon, j'ai pas de menu. Non, parce que j'aime bien faire le... Ah! Ah! Difficulté! Ah, d'accord, il y avait que ça. Son. Stéréo, 100%, voix... Ah, j'étais au max! Ok. Bon, je vous ai augmenté un petit peu sur Steam. On va dire que c'est bon. Si c'est pas bon, vous me le direz. Ok, let's go. Ok. Donc si j'appuie sur O, je me lève. Bon, ça me paraît pas très compliqué. Ok, je suis déjà mécaniquement un peu irréprochable, mais bon. Ok. Alors, je voulais pas faire ça. Allez, princesse, tu joueras tout à l'heure, c'est promis, viens. Ah oui, je baisse la musique et je... Oh, mais t'es trop malin, mais bien sûr, mais c'est une évidence! Je baisse la musique et j'augmente le tout. Oh putain, tu es trop malin. Non, ils sont cuits. Ils regroupent tous les autres du chat. Ok, let's go. Les paramètres... Oui, ils ont été modifiés. Ouais. C'est bon, là? Ok, nickel. En avant. Alors, ce cheval me fait extrêmement peur. Attends, la caméra, là? Attendez, oh merde. Oh, c'est pas possible. Bon, c'est pas très grave, je pense. Attends, non, c'est pas par là, Jody. C'est pas par là. Ok. Là, je voulais pas aller par là, de toute façon. J'étais en train de... Attends, elle a ouvert la porte toute seule, j'ai même pas appuyé sur un bouton, genre, c'est grave. Je trouve qu'elle se permet des choses un peu... Attends, il y avait un truc sur le lit, là. Ou alors j'ai mal vu. Attends, je me familiarise avec les boutons. C'est quoi la petite lumière blanche, là? Ok. Je sais que t'es fatigué, Jody, mais on doit y aller. Ok. Je vais aller vers la droite. Je vérifie juste s'il n'y a pas un autre truc, une autre action peut-être. Elle a beaucoup de jouets. Hein. Ok les mecs. Bon bah c'est parti, début d'aventure. Salut YouTube, c'est parti. Ok. Je vais passer par la gauche. Oh putain, j'en étais sûr. Jackpot. Bon, elle s'est pas dessinée, c'est une information importante. Peut-être pour la suite de l'aventure. Ok. Merci Mathilde. Ok, je vais passer derrière lui. Ok, bon, je pense, honnêtement, je vous dis, moi, je pense qu'il n'y a rien à faire à part y aller, là. Allez, vite, Jody. Oh, tu me parles comme ça. Non, pardon, excusez-moi. Je me suis un peu excité, alors je suis une petite fille. On y va. On y va. Nathan va nous attendre. C'est qui, Nathan? Vous savez que 99% des gens qui s'appellent Nathan sont des fils de pute. Hein. C'est une étude que j'ai établie. Hein. Je connais aucun Nathan gentil, en fait. Le prénom, c'est un prénom de beau gosse en fait. Ça forcément, il va y avoir des problèmes techniques après. J'ai appuyé sur A, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ah, il y a des caméras de surveillance pour chez moi? Alors que j'ai 8 ans. Très bien. Dépêche-toi, Jody. Se sent espionné. Ah oui, et en plus c'est un gros port. Ok, bon super, mais on a tout à gagner là. C'est la fête du slip là, mon début de partie là. Ok, vas-y. De toute façon, quand tu vois écrit planning et en dessous rien, on dirait mes lives. Ouais, ça c'est mes plannings de live là. Voilà, vous voyez avec le la brosse juste en dessous là. Je vais aller par là. De toute façon, je pense qu'il faut aller par là. Ce qui est bizarre, c'est que la... Tout à l'heure, il m'a... Oh non, pas ça. J'ai plus de monnaie en plus. Salut Cole. Salut Alan. Ok, Cole, Alan. Ok, je retiens les pseudos vite fait. Nous on est jeudi, Cole, Alan. C'est presque prêt. Cole, Alan. Ça fait deux semaines que j'attends. J'ai dit c'est presque prêt. Salut Alan. Allez viens, je t'attends.
C'est pas croyable. Salut ma puce, t'es trop mignonne aujourd'hui. On va tracer. Il va pleuvoir ce week-end. Il a beaucoup plu cette année. Je suppose que... Et voilà. Attends, les voix sont fortes là. Je veux pas casser les couilles mais... Je veux pas que je remonte un petit peu. Non mais un tout petit peu genre. En avant. Ok, lui il est extrêmement suspect. Personne ne lui encore joue. À faire du babysitting, Cole. Très super. Marrant, Phil. Allez, fiche le camp. Ok, Cole, Phil, allant. Ok. Donc là, je dois aller par là. Bon, en vrai, je pense qu'il y a rien d'autre à faire. Je vais suivre le chemin, les mecs. Je sens que là. Allez, viens, je t'attends. Tu m'attends, c'est-à-dire. Salut, Jody. Comment s'est passée ta journée? Ça peut aller. Oh putain, faut répondre bien. Ok, ça va. C'est un truc où j'ai du talent normalement. Ok, on va te mettre ça sur la tête. Tu te rappelles? C'est comme une couronne. On prie pour un con. Et voilà. Ok, donc Jody est télékinésiste, je pense. Et là, ils essaient de découvrir un peu ce qu'elle est là. Tout va très bien se passer. Je suis à côté si tu as besoin de moi, d'accord? Je vais mettre dans la peau d'une télékinésiste, enfin. Carré, vague, rond. Non, c'est à ma portée, ça, normalement. Jody, est-ce que tu m'entends? 5 sur 5, Houston. Épaule? C'est quoi, épaule? Ah oui, genre, je t'entends, mais j'ai pas trop envie de te parler, quoi. Ok, on y va. Kathleen est dans la salle d'à côté. Et elle a les mêmes cartes que toi. On va lui demander d'en choisir une, et on va voir si tu peux deviner celle qu'elle a choisie. Ok. Tu crois que tu y arriveras? Je mets un coup d'épaule. D'accord. Moi aussi je ferme les yeux. En vrai, super, attendez, j'ai envie de le faire pour de vrai. Hein. Faut pas qu'il me spoil. Première carte. Je regarde pas. Vous me dites quand c'est à moi. L'euro. C'est l'euro. Ah non d'accord, ok, ça marche pas comme ça. Ah putain, oh putain, je suis un drone. Elle est où? Oh merde, excusez-moi. Attends, elle est où? La salle d'à côté, de quel côté? Je me suis pris un mur. Ok, pas de panique. Elle est dans la salle d'à côté mais... Ok, excusez-moi. Oui, pardon, excusez-moi. Je suis en train de... Oh non, sérieux, je sais pas où elle est. Oh non, ça... Oh elle est là! C'est bon. Elle a pris quoi, elle a pris quoi? J'en étais sûr, l'étoile. Ok, on peut revenir. Ok, ok. Vas-y, go, 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 prends l'étoile. Et remets-toi. Putain, j'arrive pas à sortir. Enfin, j'arrive pas à... Ok. Carte suivante. On est reparti. Ah ouais, d'accord, dès que j'appuie sur Y, c'est la foire à la saucisse, quoi. Ok. Maintenir ça? Ça fait quoi ça? Qu'est-ce que je suis en train de lui faire? C'est pas moi en vrai hein. Non mais en vrai de vrai... Aiden, laisse-le tranquille. What the fuck? Qu'est-ce que je vais foutre avec lui? Oh, Greg. Oh, ça va? Ouais. Ouais. Oh putain, j'ai déconné. Ça va. Attends, là je peux maintenir qui là? Attendez. Oh, oh non, je vais pas le faire avec lui quand même. Oh, je tente. Oh! Vous sentez ça? Il fait de plus en plus froid. Il est là. Il est là, qui? Attends, ils savent qui je suis? Enfin, ils savent qu'il y a genre un. Ok, on est en train de se faire repérer là. Je vais aller prendre le carré, on va se calmer. Ok, on est en train d'éveiller les soupçons, les amis.
Calmons-nous. Je suis en train d'éveiller les soupçons là. Carte suivante. Attends. J'ai trop envie de genre un... Ah merde. Ah putain, il y a une distance. Oh, c'est la baise. Il y a une distance. Hop. Oh. Ah ouais. En fait, à la base, j'avais une idée de fou. Genre, je prenais quelqu'un qui était au chiotte, je le faisais ramener et je le faisais pisser sur les autres et tout. Ça a été incroyable. Mais bon, malheureusement, c'est pas possible. C'était une idée incroyable que j'avais. Bah, on va juste faire le truc classique. Alors, j'ai perdu ma salle. Ok, c'est bon. Est-ce qu'on fait le dernier? Le dernier, est-ce c'est que lui, tu vois la carte, Jody? Oui, je la vois. Attends deux secondes. Je vais te faire, un... je vais te faire ma spéciale. À moins que ça marche pas. Aiden, non! Quoi, non? Mais c'est qui, Aiden? Hey, c'était quoi ça? C'est qui, Aiden? On dirait qu'Aiden n'est pas de très bonne humeur. Ah, d'accord. Il bon... fait ça pour s'amuser, c'est tout. Ok. Revenons-en à l'expérience. Ok, ok. Maintenant. Alors, Aiden. Arrête de faire des bêtises. Ah, mais c'est pas de la, mais c'est pas de la télékinésie. J'ai littéralement une personne que les gens considèrent comme vivante, qui se balade et qui peuvent donner des informations d'un cerveau à l'autre. Là, ils sont au courant que je lui ai cassé les couilles, en fait. Incroyable. Du coup, en fait, ils savent qu'elle est pas télékinésiste, mais elle, ils savent que Aiden l'aide. Ok. On va faire la vague. Okay. Bien joué, Jody. On va essayer autre chose. Mais pourquoi ils disent bien joué, Jody, alors qu'ils savent que c'est Aiden? On a installé des cubes sur la table. Tu crois que tu pourrais les faire tomber? Je vais tosser les épaules, c'est tout ce que tu vas faire. Hein. Ok. Bah, je vais tenter de foncer dedans, non? Tête baissée, genre? J'ai pas réussi. Attends, j'y arrive pas, là? Ah oui, comme ça, oui. Ah oui, d'accord. Ah, elle va péter un câble. Bien, Jody. Est-ce que tu peux faire bouger d'autres objets? Qu'est-ce que c'est fait? Ah ouais, je suis giga énervé là. Elle est pas bien là. Je vais la posséder pour la terminer et elle va péter une durite. Oh oui, c'est beau. Ah merde, c'est la bouteille d'eau! Attends. Mais putain! Attendez, excusez-moi. Ah là, là, je sens qu'elle est stressée là. Là, je pourrais vraiment faire le coup fatal quoi. Oh oui, oh oui, oh oui, mesdames et messieurs! Oh, elle va lever sa chaise! J'arrive pas. C'est fini? Ok. Ça suffit. Je suis désolée, mais. Ah j'arrête là. Ok, je suis trop fort. Jody, ma chérie, l'expérience est terminée. C'est fermé. Sam, c'est fermé, je te refais un petit coup. Mais si, non, puisque Kathleen, je veux c'est pas fermé, fermé. Elle doit Faites juste être bloquée. Donne-nous un instant. Je vais lui faire peur avec un peu de bouteille d'eau. Calme, Kathleen. T'as ouvert la porte. Attends, attends, je fais la bouteille d'eau, je fais la bouteille d'eau. Arrête ça immédiatement, Jody. Le test est terminé. Attends, tu dois arrêter, compris? Je fais vite, fais la. Touche à rien. Je me suis engueulé par une petite fille de 8 ans. Ok, Jody, ma chérie, l'expérience est terminée. Moi, je vais être insupportable. Attends, mais qui sera le plus enfant entre moi et... Ça sera jamais fini. Oh, merde. Bon. Elle a l'air plus de subir qu'autre chose, en vrai. C'est moi. Ça va, c'était pour tester mes pouvoirs, je serai pas comme ça tout le temps. C'est bon, vous inquiétez pas, je serai pas tout le temps... Je serai pas comme ça tout le temps, en vrai. Alors attendez, pourcentage des joueurs ayant également suivi ses voix. 66% expérience stoppée. Kathleen laisse tranquille. Ok, je fais partie de 75% des gens, ça va. J'ai été classique, ça veut dire que tout le monde a essayé d'embêter la dame. On est bon, on est bon. Je suis pas bizarre, je suis pas bizarre. Je pensais pas que tout le monde le ferait en vrai. Ou alors peut-être que... Ouais, non, je sais pas. Vas-y, go continue. Attends, c'est Jody à gauche? Plan B, invité Rob. Timide. Plan B. Qu'est-ce que je fais si jamais ça tourne mal? Bah, c'est au plan cul. C'est bien ce que je pensais. Je voulais vérifier. Attends, elle me fait penser à quelqu'un, mais je sais pas qui. Invité. Rob, ça, on s'en bat les couilles de ça, Rob. Timide, on s'en bat les couilles.
C'est qui tous ces invités ? Voilà, prenons des informations intéressantes. Des diplomates, des politiciens, des hommes d'affaires, des espions. Normal pour une ambassade. Ok, mais il m'énerve avec ça, voilà. Sois naturel. Ok, ok, c'est mon point fort. Si quelqu'un te parle, contente-toi de sourire. Tu veux que je sois naturel ou tu préfères que je sois souriante ? Je savais pas que t'avais de l'humour. Seulement quand je suis morte de trouille. Ryan, je suis ravi que vous soyez là. C'est toujours un plaisir, Cheikh Ahmad. J'aimerais vous présenter mon assistante, Elisabeth. Je ne savais pas que la diplomatie américaine avait en sa possession des armes de séduction massive. Oh, le gros lourdeau. Ah, ça, en 2020, c'est... Ça, c'est très Twitter. Alors là, messieurs, il serait pas facile, monsieur. Je vous rends votre hôte. Ah, ça, ça se voit que c'est à 10 ans. Tard, Ahmad. À 10 ans, ça passait, mais... À plus tard, Ryan. Parce que... Non, non, là, c'est pas possible. Il me déteste. Il devait imaginer ma tête au bout d'une pique. Ah. Mais je crois qu'il t'a trouvé charmant. Je devrais être flatté. Ouais, bon. Je vais aller serrer quelques mains. Mêle-toi aux autres. Trouve un coin tranquille. Ok, ok, c'est mon point fort, ça. C'est ce que tu as fait. Ouais, t'inquiète. Ok. Ah, c'est le genre ambassadeur. De bail, il peut rien m'arriver. C'est un plaisir de vous voir. Là, l'objectif, les amis, c'est de ne pas se faire repérer. Il faut que je trouve un endroit. Ouais, ouais, on va marcher. Oh, déjà, on va. Regardez, on pourrait, je pense, courir. Je vais commencer à faire des petits pas en mode. Ouais. Non, attendez. Voilà. Là, je presse un tout petit peu ma manette pour que ça soit vraiment. Vraiment. Genre, une personne normale, quoi. Putain, ils vont repérer que je suis en train d'avancer dans un mur invisible. Ok, c'est bon. Personne n'a remarqué. Alors, j'aurais bien voulu qu'ils me le disent parce que là, je suis passé pour un con, mais. Passer comme ça. Voilà, nickel. Je pense qu'une personne normale dirait bonjour au. À ce groupe de filles là. Parce qu'il y a une robe verte, une robe grise, et avec moi, ça fait un drapeau. Je vais peut-être parler avec eux là. Bonjour. Mais attendez, mais là c'est parfait en vrai, même si elle me parle pas, moi je reste comme ça. Hein. Mais attendez, mais vraiment si. Attends, c'est quoi le but? Parce que là je suis super bien placé là. J'ai un placement de fou là, merci Bat. Il prend un petit four. Oh, putain, non, faut pas qu'elle me parle. Ok, ça. Ok, nickel. Je suis passé inaperçu. Je vois pas ce qu'il y a à faire là. Pour être franc, je penche toujours pour le juste. Comme si t'avais de quoi te payer 3 Ferrari. Alors je me mets là. Fantastique. Ou alors je me mets à écouter la musique. Qu'est-ce que c'est que cet instrument ? Incroyable ! C'est quoi cet instrument ? Mais attendez, mais je dois faire quoi là ? Je dois tempo ? Ah non, je parle pas au. Non, non, je lui parle pas lui. Oh Elisabeth, non, putain. Oh non, bordel. Je vois que vous avez échappé à notre ami commun. Un verre peut-être. On pourrait apprendre à se connaître un peu mieux. Peut-être plus tard. Comment peut-être jamais. Alors à plus tard. Voilà. C'est bien. Qu'est-ce que c'est que ce regard ? Eh oh, il s'est retrouvé. Attends, il a regardé. Attends, il croit que je l'ai pas vu lui là ? Attends. Bon, il a beaucoup de chance que je puisse pas interagir avec lui. Hein. Attends, mais j'ai peut-être l'âme ? Mais je vais aller l'enculer ! Il a regardé mon cul, j'ai tout à fait vu. Attendez, il est où là ? J'ai complètement oublié là. Attends, il est où ? Attends, c'est lui ? Attends, c'était qui ? Non. Comment ça, non ? Tu vas attirer l'attention. Oh merde. Oh non, mais fais chier, putain ! Oh Nick ! C'est bon. J'espère c'est que la situation sera réglée pour le nouvel appartement qui se trouve à Montréal. Bien avant que je dois. Il faut que je trouve un endroit calme. Mais. Ah d'accord, mais là en fait, depuis le d'abord, je. Ah d'accord, je dois chercher un endroit calme en fait. Mais moi je sais. Bah je vais aux chiottes en vrai. Ouais, c'est giga calme. Mais je vais aux chiottes. Attends, c'est quoi ça? Mal toilette. Ok, c'est bon. Attends, c'est quoi là? Ok. Ok, on est bon. Oh merde. Attends. Analyse. Est-ce qu'il est en train de me faire un truc bizarre là derrière? J'ai pas trouvé mes plans là. Il fait quoi lui? Ok, c'est bon. Il bouge pas. Ok. Salam alaikum. Ok, on va chiotte. En vrai, parfait. Je passe inaperçu. Oh, nickel. Oh, nickel. En plus, c'est des chiottes en or massif. Oh là là, on a tout gagné là.
Qu'est-ce qu'on fait? Ah, je me transforme? Attends, qu'est-ce qui se passe? Attends, je crois qu'elle a des problèmes d'intestin, ouais, notre troll. Je crois qu'elle a des problèmes d'intestin, c'est pas vrai. C'est le pire truc qui pouvait nous arriver. Ah non, non, allô. Aiden? Aiden, est-ce que t'es prêt? Ah, c'est un garçon, Aiden? Il y a un grand tableau dans une des pièces à l'étage. Derrière, il y a un coffre. Les documents qu'on doit trouver sont à l'intérieur. Étage, coffre, ok. Mais il y a des gardes et des caméras, alors tu dois faire attention. Mais d'accord, on me voit pas. Mais je suis une âme. Bah go. Non mais attends, enfin, vous faites-moi confiance quand même. Enfin, je comprends pas là. Un distributeur de biscottes. Ok. Vite, Aiden. Vite. Comment ça, vite? À l'étage, tu m'as dit? Ça fait un mal de chien quand tu vas trop loin. Ah, c'est pas des problèmes d'intestin, putain. Attends, mais comment ça, ça fait un mal de chien? Non mais attends, mais je rush, mais tu m'as dit coffre à l'étage. Attends. Bonjour. Coffre à l'étage. Comment ça, descendre? Comment ça, descendre? Mais j'ai pas fini, moi. Putain, j'ai pas compris ce qu'ils m'ont demandé. Ils m'ont dit coffre à l'étage. Pourquoi je dois descendre, là? Bon, vas-y, je les écoute, en vrai. Vas-y, attends, je les écoute. Je peux pas traverser les murs. Attends, mais c'est quoi cette âme de merde? C'est la première âme qui doit passer par les portes, mec. Attends, je reviens, je pense que j'ai pas fait mon taf, hein. Là, elle va péter un câble. Elle est poussée. J'ai rien ramené comme information, c'est une catastrophe. Allô? Qu'est-ce que tu fais, Aiden? Je sais pas, je me suis dit... Je vois pas. Oh putain de merde, mais attends, mais elle va faire une attaque. Ok, bon, no panique. Elle est possédée, de toute façon. Tout va bien. Ok, faut que je trouve le coffre. Vite. Trouve le coffre. Merci, c'est Raphaël. Oh, c'est là, c'est là. Non mais je déconne pas, c'est là. Cherche un bureau. Un bureau? Au premier étage, avec un portrait du Cheikh. Du Cheikh? Et fais attention aux gardes et aux caméras de surveillance. C'est qui le... Attends, c'était pas le monsieur en bas, le... Portrait du Cheikh. De toute façon, je vous explique, il y a que deux portraits, là. Mais c'est là, c'est là. Mais ça peut être que là, le bureau. Mais là, je passe à travers. Nice. Nice. Un bureau avec un portrait du Cheikh. C'est le bon endroit. Il doit y avoir un interrupteur. Elle est en train de crever. Pour bouger le tableau. Oui, 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 je... Trouve-le, Aiden. Oui, 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 mais j'aime pas quand tu me fais cette petite voix là. C'est par là, hein. Je sais pas, il y a de la poussière bleue. C'est ça l'interrupteur, c'est l'interrupteur ça? Non. C'est zéro l'interrupteur. C'est quoi cette poussière bleue là? Si, il y a un truc là. Je sais pas c'est quoi, hein. Je suis en train de faire un truc là. J'ai peur que ça soit un truc de merde, genre je vais exploser une chaise ou un truc qui va nous... C'est très long. Ah mais c'est infini en fait. Ah mais je dois faire un truc. Attends, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce qui... Attends, j'ai deux boules. Mais y'a pas de tuto dans ce jeu. Ok, me posez pas de questions. Le bouton il est là, il doit être là le bouton. Là le bouton il est là. Mais... Putain, mais c'est dur. Attends, mais je peux pas remonter. Attends, c'est pas le bouton sur le toit là? Ah non, c'est la caméra, mais on peut peut-être la désactiver. Attends. Attendez les mecs. Non mais nos trolls là. Où je vais dans celui-là? Quoi? حسام اذهب والقي نظرة على مكتب السفير. كوا؟ حاضر سأذهب حالا. Mais c'est le vent. La caméra fonctionnait. Le garde arrive. Touche à rien ou il va donner l'alerte. J'ai fait de la merde. Je suis كاكو. انا في المكتب. كل شيء في مكانه. Il a dit rien à signaler. Je parle couramment. Réfléchis. Mais quoi réfléchis? Il doit y avoir un autre moyen. Bah l'autre moyen c'est le bouton, mais je l'ai pas trouvé. Non mais attends, on y retourne là. Non mais tranquille. Non mais là j'ai déconné mais... Où est ce putain d'interrupteur sérieux? Attends.
Le but, c'est l'interrupteur, c'est pour ouvrir le coffre. Mais le problème, c'est que dans tous les cas, il y aura la caméra de sécurité. Ça, si je peux pas la désactiver, on est foutu. Ah, ça, c'est un bouton pour faire demi-tour. Oh, on descend avec ce bouton. Attends, mais quoi? Oh putain, je viens de comprendre comment se déplacer. Ah, mais ils me disent rien aussi. Ah, mais j'ai plus rien. Là, j'ai plus rien à activer là. J'ai plus le temps. Ça veut dire qu'il y a un truc à faire autre part? Le déplacement en âme, il est chelou, hein. Je vais pas être méchant, mais... C'est quoi cette porte? Attendez, j'ai une idée de fou, là. Oh! Bah, lui, je le possède, lui. C'est le bon endroit. Aiden, fais ton boulot, ok? Ah, merde! Quoi? Il faut distraire le garde d'abord. Bah, je voulais le faire, c'est toi qui m'as activé, là. Bah, on le distrait avec la télé. Et là, hop. Personne ne pourra plus surveiller le bureau principal. On devrait être tranquille. Ok, Grosh, Grosh. Grosh. Rushby. On reprend ça parce que c'est celui-là qui était bizarre. Celui-là il est suspect, on est d'accord. Allez, y'a quoi là-dedans? Annonce. Annonce la couleur, frérot. Y'a rien. Y'a une vieille équation. C'est le pire truc. C'était pas celui-là. Celui-là, on l'a déjà ouvert, on est d'accord? Oh putain, non, on l'a absolument pas ouvert celui-là. C'est là! Oh merde. Ok, c'est activé. On se casse. Vas-y, essaie d'ouvrir le coffre. Merci. Maintenant, faut qu'on lise ces documents. Dépêche-toi. Je tiendrai plus très longtemps. Mais on va lire. Ok. Vas-y, lis tout. Bouge plus. Ah putain, elle doit écrire. Ah ouais, RB. Je sais quoi, RB. X. Ah oui. RB. B. Ok. Oh putain, elle est possédée. Hein. RB. A. Excellent. On a 3 pages. On peut faire un livre. هل من احد هناك؟ الرجاء الخروج من هناك على الفور. Mais je fais caca, laisse-moi tranquille. هنا هم رهد السيدات. انصرف من هنا. حسنا حسنا منحرف. انصرف. Incroyable de me casser les couilles comme ça. Elle m'a sauvé la vie. Oh là, elle m'a sauvé la vie. J'avoue, on n'a pas les sous-titres, mais tranquille en vrai. Désolée, je ne peux rien faire pour t'aider. Non mais attendez, elle m'a chouré mes feuilles. Non attends, non, c'est mal compris là. Attends, elle m'a pas chouré mes feuilles là. Non mais elle est de mon côté elle. Attendez, vous pouvez me certifier qu'elle est de mon côté là, ou elle m'a chouré mes feuilles là? Je peux rien faire, no troll, ok. Attends, elle est avec moi ou pas? Oh putain, elle m'a chouré mes feuilles, c'est pas possible. En plus, je suis possédé. Mais attends, je vais pas sortir comme ça là. L'autre il m'a demandé d'être bienveillant. Ah oui, déjà j'enlève ça. Oh bien vu. J'ai pensé aller au lavabo. Voilà. Là ça va un peu mieux. Voilà, nickel. Et on se reprend un peu les esprits. Le savon pour le Covid. Ok, ça va, un peu d'eau. Avec un peu d'eau elle va mieux. Ok, excellent. Attends, mais par contre c'est pas possible hein. Là on va se faire repérer hein. Là faut que je dise que je boite je me suis tordu la cheville dans les toilettes, mais bon c'est pas crédible quoi. Je sais pas ce qu'on peut faire hein. Je vais pas sortir comme ça les mecs. Non les mecs, je sors pas comme ça là. Non mais en vrai, faut que je trouve une solution. La serviette, je sais pas. Je sors comme ça là? Mais vous vous rendez compte que comment je suis bancal?
Y'a quoi d'autre de toute façon? Attends, mais elle est possédée ou elle fait des demi-tours des fois toute seule? Je peux pas m'essuyer les mains, je vais sortir comme ça. Hein. Mais je pense que je vais me faire repérer de ouf là. Non, mais regardez-moi cette tête s'il vous plaît. T'imagines quelqu'un qui sort des chiottes avec cette tête? Bon, en vrai, il peut se poser d'autres questions, mais. Oh là là. Qu'est-ce que je vais dire aux gardes? Bon. Écoutez les amis, on va faire la technique de la diarrhée. Non mais vous inquiétez pas, c'est... normalement ça va être sans... Johnny, est-ce que ça va? Non, ne touche pas! Non, non, s'il te plaît. Je veux qu'on s'en aille. Bon, ok, on s'en va. Oh non, il va venir me parler l'autre. Oh putain. Non, ça va. En vrai, je suis passé crème en vrai. Non mais en vrai, notre rôle. Ouais, je suis passé gigatrem. Et vous savez que je serais en train de réussir la mission de fou là. Alors attendez, tout le monde a... Enfin, 98% des gens ont réussi la mission. Donc déjà, je suis meilleur que 2% de la planète. Mission accomplie, Aiden uniquement. Voix non empruntée, pas compris. Garde de la salle de commande alertée, 56%. Mission accomplie sans le check. Sans le check. Ok, bon, je sais pas. Ok, je pense que j'ai bien joué. Non, j'ai été bon là quand même. T'as mis une heure pour une mission de 5 minutes. Non mais ça c'est pas le problème ça. Le problème c'est la réussite de la mission en fait. Et en plus ils expliquent pas les touches au début. Genre en vrai pour ceux qui n'ont pas suivi, quand vous êtes possédé, quand il y a les petits trucs, il faut genre faire des... Enfin en gros il faut bouger les deux joysticks. Des fois il faut mettre à l'opposé de, du point. Et des fois il faut aller sur le point. En fait je suis pas sûr. Je sais pas pourquoi. Je pourrais peut-être mieux de pas y aller. Ok, je viens de comprendre en fait. Il y a jeudi enfant, jeudi ado, jeudi adulte. En plus je connais personne. Peut-être qu'ils m'aimeront pas et... Mais si. Les enfants sont super gentils. Cette robe est affreuse. Bon ça c'est vrai mais bon, pas tout faire. S'il te plaît, on peut rentrer. Respire bien à fond. Il n'y a aucune raison de paniquer. Ce n'est qu'une fête d'anniversaire. Oh je vais foutre le bordel. Tout le monde t'appréciera, j'en suis sûr. Il va t'amuser. Oh je vais foutre le bordel. Oh je suis dans une âme là. Allez. Allez on va rigoler, t'inquiète pas. Allez on y va. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Merci Karatrock, merci oh, Macabot. J'ai oublié ton cadeau. Le taré. Merci beaucoup. Mon cadeau, nickel. Un recueil de poèmes d'Edgar Allan Poe. Ok, c'est à chier, super. Il a 50 ans, il est très rare, je suis sûr que ça lui plaira. Mais attends, c'est un enfant. Allez, t'en fais pas. Tu veux pas lui faire une porte de prison aussi? Attends, il lui offre un... Oh là là, le pauvre. Oh, le pire cadeau. Alors ça, par contre, ça nous met dans... Amuse-toi bien. Ça va que je vais leur proposer une distraction avec Aiden. Parce que clairement, le niveau du cadeau, il est pas très élevé. Hein. Heureusement que je vais pouvoir proposer autre chose. Alors là, les amis, ils voulaient peut-être recruter un mec pour faire l'animation, mais vous inquiétez pas qu'ils avaient oublié que Tonton Croco était présent. Allez, c'est parti. On va sonner. C'est incroyable cette histoire-là encore. Attends, c'est des enfants, on est d'accord. Salut, Jody. Entre. Bonjour. Kirsten, tu te dépêches, il faut que j'y aille. Entre, Jody, fais okay. Comme chez toi. Salut. Jody, c'est ça? Viens, on est dans le salon, il y a quelques oh putain, filles de mon école et des mecs pas trop relous. C'est un cadeau pour moi? Cool, merci. Ah ouais, bah l'ouvre baisse. Je m'en vais, ma chérie. Prends soin de tes amis et surtout ne faites pas de bêtises, d'accord? Alors, pour ce qui est du cadeau... Comme tu veux. Attends, faut que j'explique le cadeau, là, ça oh, va mal se passer. Ça y est, elle s'est enfin tirée. Hé, hey, tout le monde, ça c'est Jody. Elle est dans l'unité 4 avec ma mère. Dans l'unité 4? Le service du paranormal. Ouh, et qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu plies des cuillères? Attends, mais il veut quoi, Sacha, là? Il est sérieux ou pas? Non. Je vais l'enculer, lui. Okay. Allez, tout le monde. Je vais chercher la bière. Les gars, fermez les rideaux. Les filles, mettez des bougies. Et Jody, t'as qu'à t'occuper de la musique. On va trop s'éclater! Attends. Là, vous êtes en train de me dire qu'ils vont... Ils vont faire du paranormal avec moi? Mais c'est des fous furieux, hein. Par contre, alors moi j'ai une première mission qui est pas demandée, c'est le cadeau, faut que je le brûle. Il y a une cheminée, un truc là. Non, et si c'est le jour où elle l'ouvre, c'est la sauce. Hein. Je suis passé pour. Attends, la musique? Mais c'est où la musique? Non, mais attendez, moi je sais pas où est mon job moi. Bon, attendez, j'ai une musique parfaite. Faut juste que je trouve l'endroit où c'est quoi. C'est où la musique? Bah, la musique dans la cuisine, ça me paraît improbable déjà. Par contre, le dresseur Pokémon, il va se calmer très très vite, hein, je vous le dis. Ok, c'est là. Country pop rock. Attends.
Mais c'est, y a rien qui va pour du paranormal. Ah, le mieux, je dirais, c'est pop. Non, ça chie. Disco. Mais pour du paranormal, c'est pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Je vais mettre. Bon, c'est le mieux, hein. En vrai, c'est terrible. Mais bon. Sérieux, qu'est-ce que c'est que ça? Laisse-moi faire. On va mettre un truc de ce siècle. Quelque chose qui décoiffe. Je vais la goumer. Non, je suis désolé là. Alors, le dresseur Pokémon. Ok, là, il y a des cibles qui commencent à être désignées là. Pour l'instant, il y en a deux, ils vont prendre Bagdad, hein, je te le dis. Allez, viens, on fait le truc du paranormal. J'ai mis 2 heures pour choisir. Ma mère met plus les pieds dans ma chambre en ce moment, elle est complètement à la masse. Kirsten, t'es un génie. Un génie? J'en veux une. Attends, elle est non-binaire? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'en veux une, ouais. Ouais, je veux bien. Pourquoi? Attends, on ouvre. Oh non, on passe. Putain! Je parie qu'elle a jamais vu d'alcool. Non, c'est pas la première fois. C'est ça, on va te croire. Je vais mettre Pikachu dans le cul, il va rien comprendre. Bon, donc là, heureusement qu'elle a pas encore ouvert mon livre, parce que sinon c'est vraiment une catastrophe. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, vas-y, je participe. Oh non, putain, j'ai fait la. Oh non, je fais la personne qui s'assoit sur une chaise. Non, pas elle. Non, moi je vais aller danser avec eux, moi. On y va. On va danser. Voilà. On s'intègre, Johnny. Ils sont où? Attends, mais je suis tout seul? Oh putain! C'est en train de me juger! Si je rate un pas, c'est la mort! Ok. Oh putain, mais attends, on est en train de gérer de ouf là. Mais attends là. Mais attendez, je peux avoir un compliment? J'arrête pas, hein. Tant que personne me parle, je continue. Par contre, tout le monde est parti, quoi. Attends, je danse comme un ouf, là. Non, vraiment. C'est full pixel? Non, les mecs, vous avez vu quand ils me regardent? Là, ils se sont dit, ok, elle est pas mal, finalement. Elle est intelligente, elle. Les personnes intelligentes savent danser, hein. C'est un fait. Merci Adrien, merci beaucoup. Excuse-moi, je suis en train de danser. On arrête? Bon, vas-y, on arrête. Quelque chose à dire ou pas? Je peux avoir un argument? Attends, mais les autres sont. Attends, je vais leur parler là. Vous avez vu ma danse? Non, attends, me dites pas. Attends, elle retourne danser, je casse tout. Non. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas vrai. J'annonce goumage intégral dans la soirée. Je comptais pas faire ça, je comptais au moins laisser la fille en jaune, mais malheureusement le goumage va devoir être intégral. Bon bah tant pis, hein. Et allez, et en ça plus fait. Ça fume de la cigarette. Non, je vais encore passer pour un con, je vais refuser. Non merci. Attends, mais sérieux là? Merci Teddy, merci beaucoup. C'est vraiment une soirée d'enculé, on est d'accord. Attends, mais si j'y retourne, ils vont repartir là? Mais attendez, ça c'est ma chanson en plus, hein. Attends, je fais quoi là? Mais sérieux, c'est quoi cette soirée pétée? Mais putain, mais je me suis juste assis, j'ai même pas dansé! Ils sont quand même partis! Non, mais attends, je pue là, non, mais en vrai là. Non, mais je pue? Non, mais attends, sérieux là. Non, mais attendez, mais. Mais. Non mais attendez sérieusement là. Non mais attends, non c'est une blague là. Il y a un moment on joue au chat perché là. Mais ils essaient d'aller dans des angles que j'arrive pas à voir. Non mais je vais vous casser les couilles, hein, je m'en bats les couilles. Ah non mais en fait c'était pas. Attends, mais depuis le début c'était de la malchance. Attends, elle danse comme ça elle... Non mais je vais rien dire mais bon. Ok d'accord oui. Ok. Bon, on va rien dire au niveau de la danse. Bon, c'est un carnage, hein. Je me rebois une petite bière en vrai. Une deuxième, ça fait stylé, ouais. En fait, je vous explique. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette toux? Quel Covid? Attends, tu tousses plus, c'est la deuxième. T'étais pas obligé de cul sec, mais bon.
Ok, bon, c'est une foule alcoolique, tout va bien. Allez hop, ça termine. Alors, je suis pas sûr qu'elle ait l'âge légal, hein, mais bon. On va dire que c'est du jus de pomme, hein. Attends, je suis bourré? Oh non, c'est pas possible. De bière! Non, mais sérieux, je pouvais pas deviner! C'est vrai qu'elle est un peu. Attends, elle est bourrée là? Ah non, j'ai dit de la merde. Mais si, si! Attends, qu'est-ce que c'est que cette démarche? Oh non, je suis passé. Non, mais sérieux, je veux m'intégrer moi quand même à la base. Il fait quoi lui? Ah non, c'est fini. Mais y'a rien à faire dans cette baraque. Ah, mais ça y est, je peux posséder tout le monde. Attends, mais attends, bon, attends, je commence par qui en vrai? Bon, c'est le dresseur Pokémon là. Attends, viens là. On va lui faire ma spéciale. Tu te rappelles tout à l'heure quand t'es foutu de ma gueule là? Je sais pas si t'en rappelles, mais tu vas t'en rappeler dans pas longtemps. Attends, merde, je sais plus c'est quoi le bouton. Merde. Attends, laisse-moi retrouver le bouton vite fait. Attends, c'est quoi le bouton? Mais j'ai pas les ronds, non? Mais je peux pas, je crois. Je peux pas, les mecs. Regardez, là, il y a des ronds, j'en ai pas sur eux. C'est-à-dire qu'il y a que les trois meufs que je peux posséder là. Putain, t'as sur Pokémon qui va s'en sortir. Il va pas s'en sortir vivant, je viens de le voir là. On va lui faire la spéciale. Et mourir d'au cul. Snake Eye là-dedans. Yann devrait mettre le chauffage. C'est tout? Ah ouais, adolescent, elle avait pas des super pouvoirs quoi. Là, je lui ai donné un frisson à quelqu'un là. C'est pas incroyable, hein. Attends, on va essayer. Elle, attends, c'est qui? C'est elle qui m'a mal respecté là. Avec la musique là. Peut-être s'il se reste. Est-ce que quelqu'un a allumé la clim? En fait, il fait super froid. Attends, mon pouvoir c'est de donner froid aux gens? Non, mais c'est à chier, genre. Attends, tout le monde va mettre le chauffage. Là, tout le monde va avoir froid. Pas ah, super pouvoir. Ah bah vraiment, là on est bien là. Alors on a vraiment le meilleur pouvoir de l'humanité. Bah, tout le monde a froid. Super. Et lui, bah je peux pas, il a pas froid parce que je peux pas le choper. Je peux pas le choper, mais d'accord. D'accord, donc mon pouvoir c'est donner froid aux gens là. Mais c'est de la. Mais je suis bloqué dans le niveau là. Mais y'a rien à faire. Je vais me casser en vrai. Ah, attends, mais peut-être que je peux me casser comme ça. Je suis en train de penser. Oh! Attends. Je me suis mis près de la porte, comme ça je vais avoir plus de distance. Je peux pas passer. C'est terrible. Attends, y'a quoi dans l'appart là? Qu'est-ce qui se passe? Y'a là, y'a une porte là. Oh! Ah non, je peux pas. Mais. Vous allez croire que je troll, mais je sais pas ce qu'il faut faire. Va regarder leurs sous-vêtements. Je pense pas que ce soit ça, mec. Va-t'en, je pense. Je m'assois peut-être. Hein. Il y en a, il m'a dit je m'assois. Si vous connaissez pas le jeu, évidemment, vous me donnez des trucs. Si vous connaissez, vous dites rien. Oh putain, c'était ça. Attends, il est en train de me. Il est en train de me brancher là. Il m'a vu salut. Danser. Ouais, c'est Matt. Jody, c'est ça? C'est le plus gentil. Ok, lui, il sera pas possédé. Ok, je t'ai jamais vu, Obey. Je suis pas de cours sur la base. Sociable. Je suis un programme différent. Attends, non, excusez-moi, je peux parler vite fait? Ils ont mis A en bas et B en haut. Et ça se dit game designer. Bon, c'est pas grave. Au début, on fait la. Non, mais au début, on fait la fille timide. Non, mais ils ont mis A en bas et B en haut! Je vois. Parce que je me serais souvenu de toi si je t'avais déjà vu. Ok, technique 0 sur 20. Ok, suivant. Alors, tu bosses avec la mère de Kirsten? Ouais. On travaille dans le même labo. Elle a pensé que ce serait une bonne idée que je vienne pour passer un peu de temps avec des personnes de mon âge, alors. Me voilà. Avant, j'habitais à Londres. Et puis on a emménagé ici il y a 2 ans. Attendez, toi, mais... où est-ce que t'habitais avant? Attends, ça c'est sa technique de drague, ça? Mais on est foutu là. Mais je sors pas avec ce truc. Attends, je dis la vérité. Sur la base. Sur la base? En fait, j'y ai toujours habité, j'y suis même né. Est-ce que t'as des loisirs? Des trucs que tu fais pour t'éclater? Moi je surfe dès que j'en ai l'occasion. Et je joue dans un groupe avec des potes. Et toi, qu'est-ce qui te branche? Attends, mais c'est Akinator aussi une soirée? Mais qu'est-ce que... Ça va te sembler super rasoir, mais ben, j'aime beaucoup lire. Et... j'aime le sport.
En fait, je peux pas quitter la base, alors ça limite un peu mes choix. Jodie, j'ai un truc à te demander. Oh là là. Pourquoi tu es dans l'unité 4? Ok, non, ça va. Et vas-y. J'ai pas envie d'en parler. Désolé. Merde, je suis trop con. J'espère au moins que je t'ai pas fait. Oh non, t'inquiète. Non, ok, ça fait rien. Non, t'inquiète. Juste quand tu demandes, je te mets du froid dans le ventre, quoi. Oh, cool, hein, slow. Est-ce que t'as envie de danser? Ouais. Attends, j'ai des touches à faire, là. Qu'est-ce que c'est que cette montre de merde, Total Spy? Oh putain, c'est quelle touche? Attends, quoi? Qu'est-ce que je viens de faire? Et pas de câlin, hein. Y'a Covid, hein. Je sais pas si ce que je fais, c'est bien. Tu sais... Paris, qu'on te le dit tout le temps, mais t'es super mignonne, je te dis. Attends. Mais il va pas m'avoir comme ça, hein. Merci. Mais attends, moi j'ai tellement galéré, je vais pas faire. C'est une fille que je connais. Quelque chose de spécial. Non, c'est trop simple, on se fait pas baiser. À toutes les unités. On ne se fait pas avoir. C'est un fils de pute. Non, c'est la technique du fils de pute, ça je reconnais ça. Non, excusez-moi, mais cette technique de drogue, ça marchera pas sur moi. Je vais carrément à distance en permanence. Merci. Mais tu me connais pas vraiment. Vous m'entendez? Ok, c'est bon. J'ai touché mon cul, je vais tout casser. Qu'est-ce que c'est? Non! J'ai appuyé sur B! J'ai tout cassé. J'ai appuyé sur B. C'était un pari, je me suis fait baiser, 100%. Putain, je voulais pas. C'est un fils de pute, ça. Regarde ce regard! Un regard de fils! Bon, je lui aurais fait sa première expérience, vas-y, c'était un petit bisou. Qu'est-ce que c'est que ce regard derrière? Qu'est-ce qu'il s'est fait en plus l'autre? Ah non, on finira pas notre vie avec ce truc, hein. Non, mais attends, calme-toi là. Eh, Vega? Oh putain de bien. Pourquoi Jodie nous ferait pas une petite démonstration de ses super méga pouvoirs? Non, excellente non, idée, non, je serais curieux de voir ça. Ta gueule, Sacha. Laisse tomber, c'est juste des conneries. Ouais, vas-y, Jodie, montre-nous ce que tu sais faire. Alors, Jodie, prête pour une démonstration? Bah attends, mais t'es de son côté? Attends, je t'ai roulé une pelle quand même. Non mais attends, par contre, non mais évidemment que je vais leur mettre la sauce là, non mais évidemment. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, Jodie? Bon, taisez-vous. Allez, beau gueule. Et arrêtez de bouger. Je suis mort de trouille. Attends, il va prendre sa part. La ferme, Steven. Oui, la ferme, très vite. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Une chaise, quelque chose? Je vais tout casser là. Attends, c'est tout ce que je veux que ça se passe, c'est autour de Steven là. Et là, de connasse en blonde là. Attends, Bon, bah après le truc Alton, c'est que le coup du froid, je suis pas sûr que ça les fasse. Je suis gelé. Tu penses que ça? Ah non, je vais faire la chaise. Hein. Ok, je lui ai fait stresser et là je lui fais balancer la chaise. Merde, j'ai pas réussi. Très fort. Ah merde, putain, c'était quoi ça? Juste ça, j'en fais pas plus. C'est un petit aperçu de mes pouvoirs. Pas plus. Vous méritez pas plus, bande de merde. Quoi? Ah non, j'arrête là, hein. Qu'est-ce que c'est que ce silence? Alors, qu'est-ce que t'attends? On va pas y passer la journée non plus. Attends, la chaise, c'est pas suffisant? Y'a une chaise qui s'envole à côté. Ok, bon, allez, c'est bon, j'ai compris. Bon, il veut quoi d'autre? La chaise, c'est pas suffisant. On va lui remettre la musique, tiens. Je vois rien. Bah, je sais pas ce qu'il faut. Je vois rien. Nickel, en plus, pire musique. Je vais éteindre les bouches. Ok. Y'a pas
un truc un peu plus agressif là, putain. Je fais que des petits trucs là, ils s'en battent les couilles. Regarde la table. Oh ça, regardez, c'est bon, la ça. Table. Oh ça c'est très très bon ça. Et je termine avec l'apothéose. Attends, je cherche l'apothéose. Ok, okay, j'en ai assez vu. Okay. Ouais, moi aussi. C'est bien Sacha. Allez ta gueule. Ouais, c'était vraiment flippant. Je voulais pas. Je voulais effrayer personne. Ah si si. Désolée, je. C'est vous qui avez insisté et. Bon, allez les gars, c'est l'heure de manger ce délicieux. Elles sont les couilles, hein. Et surtout d'ouvrir mes cadeaux d'anniversaire. Oh non, 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 non. Non, c'est le pire moment. Mais ça, j'étais pas. En fait, le gâteau attendra, je préfère ouvrir mes oh, cadeaux. Oh putain, le gâteau attendra. Bisous, Jen, joyeux anniversaire. Oh, c'est trop mignon de ta part, je parie que c'est des collants. Un string, c'est exactement ce que je voulais. Mais ça, tu piqueras plus ceux de ta mère. Et t'amélioreras tes chances de trouver un mec potable. Ouais, mon casque, j'ai plus la chance, tout ce que j'entends. Mon prochain copain manquera pas de te remercier pour avoir rendu sa vie plus excitante. Qu'est-ce que c'est que ça? Un vieux bouquin? Non, c'est pas un vieux bouquin, ah, non mais attendez. Ça sent le moisi. Ça sent le moisi. Non mais ça, c'est parce que j'ai vomi dessus. C'est un livre très rare. Un recueil de poèmes d'Edgar Allan Poe. Edgar Allan qui? Quoi? T'as piqué ça dans la bibliothèque de ton grand-père ou quoi? Non. Qu'est-ce que c'est que cette répartie, Sacha? Ouais, comme ta robe, on dirait. Non, sérieux, c'est ça ton cadeau? J'arrive pas à croire que tu sois venu à mon anniversaire pour me donner cette vieille merde. Elle se croit trop intelligente. Mais c'est juste un rat de laboratoire. Exactement, un sale rat de laboratoire. Ouais. En plus, elle m'a suivi comme un petit chien toute la soirée. Elle attendait que ça. Oh, alors c'est une salope aussi. J'avais pas envie de l'inviter, mais c'est ma mère qui m'a forcé. Ouais, c'est une salope. J'appuie sur Y. En plus d'être une sorcière. J'appuie sur Y. On devrait peut-être la punir pour ça. Oh que oui, vous allez punir. Et qu'est-ce qu'on fait aux sorcières? On les brûle. Ah, chopez-la. Please. S'il vous plaît, arrêtez. Oh, maîtresse des ténèbres obscures, montre-nous tes super pouvoirs. Mais elle m'a cru pour Harry Potter ou quoi? Je suis sur l'escalier. Pitié, pitié, oh, sortez-moi de là. Ça depuis le début. Je vous en supplie, pitié, laissez-moi sortir. Pitié. Mais Y, pitié, je on s'en bat les couilles. On appelle Aiden. Je vous ouais, la fête va enfin commencer. Non mais please, tu peux reprendre tes esprits et on leur pète la gueule là? S'il te plaît. Non mais please, reprends tes esprits là, on va les détruire là. Mais tu te rends compte qu'on a Aiden de notre côté? Laisse-moi appuyer sur Y, je m'occupe du reste, je te le promets. Non, pas la fin de... Ok. Je veux oh, sortir d'ici. Oh oui, on va sortir d'ici. Pitié. Ça c'est réglé. C'est loin d'être la fin, je te le dis. Merci Sarkou. Je vais les enculer. Je vais les enculer, putain. Partir vengeance. Ah, je viens de League of Legends quand même, hein. Bon. Partir vengeance. Excusez-moi, mais bon, c'était marrant quoi. Qu'est-ce que vous faites, les José là? Bon, le gâteau anniversaire, je vais te le mettre dans ton cul. Attends, bouge pas, frérot. Il est bon? Bah, vous allez. Il est très bon, bah, c'est excellent ça. Bravo, c'est tout. C'est super drôle, Steven. Mais tu plaisantes, c'était pas moi. Je vous jure que j'y suis pour rien. Attends, c'était pas suffisant? Peut-être que c'était Jody. Ah merde, mais attends, ils vont le voir. Je parie qu'elle nous en veut. Sois pas débile, on peut pas déplacer des trucs comme ça, enfin. Il y a forcément une explication. Ça suffit, c'est trop dingue, je me tire d'ici. Hé, hey, me laisse pas toute seule. Attendez-moi. Ah non, ils vont me voir dehors. Faut que je me casse. Merde, j'arrive pas à ouvrir la porte. Oh, let's go. Laissez encore. Je te dis qu'elle est fermée à clé. Et toutes les fenêtres. Hey, oh, pas excellent. De panique, restez calme. Okay. Attends. Oh non, vous allez pas rester calme très très vite. Ok. Voilà. Ça c'est pour vous. Les fenêtres, on a qu'à essayer. Les elles sont fermées, elles sont fermées. Téléphone est débranché. Vas-y, vas-y, sous la table. Non, elles sont coincées. Tout coincé. Laisse ta chère. Tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Attends. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Capture un aspico, fils de pute. Qu'est-ce que tu fais en fait?
Mais, ils font pitié, je vais m'arrêter là. Qu'est-ce qui se passe, bordel ? Allez, c'est bon, me faites pitié, vas-y. Putain de merde ! Vas-y, on se casse, on se casse. Allez, c'est bon. Ils font pitié. On se casse. Putain de merde ! Ils m'ont fait pitié, j'arrête là. C'est des gosses. Ils méritent pas plus. Alors, Kirsten, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a essayé de nous tuer! C'est un démon! Cette fille est un démon! Oui, mais bon, vous avez enfermé dans un placard. Entre le placard et le meurtre, il n'y a qu'un pas, hein. Reste. Rentrons à la maison. Allez, on rentre. Non, je voulais pas les tuer. Je m'en fous de ce que je pouvais faire. Je m'arrête quand je considère qu'ils ont mérité leur punition. Ça reste des enfants. Ça serait des adultes. Je vous explique, en fait. Là, j'ai tout mis sur le cause de l'adolescence. Si c'était des adultes, je peux vous dire que j'allais jusqu'à la fin. Là, c'est des ados. Bon, je leur mets leur petite part parce que ça me fait plaisir, vous voyez. Mais je me calme quand même. Ça reste des adolescents. Ils savent pas ce qu'ils font. En plus, l'autre, il m'a volé mon premier bisou. J'ai le seum. On va refaire un chapitre, ça m'a énervé ce film. Oh putain, qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Attends, ça c'est quand je suis enfant, ça. Ah, c'est le pire truc quand je suis enfant, par contre. Hein. Je comprends rien à ce qu'il faut faire. Hein. Qu'est-ce que je vais foutre avec la chaise? Arrête, Aiden, c'est de ta faute si on a des ennuis, alors arrête! Ah non, mais à chaque fois que je suis enfant, je me fais engueuler! Non, par contre, c'est le pire niveau, ça. Mathieu, c'est lui qui va s'occuper. J'ai rien le droit de faire. À partir de maintenant. Il a l'air très gentil. Ado, je peux m'amuser. Adulte, je peux m'amuser. Vas-y, il veut te rencontrer. Enfant, je me fais permanent engueuler par une fille de 8 ans. Allez, dépêche-toi. On dirait que je suis mon maturquel. J'attends ici, trésor. Qu'est-ce que tu écoutes? Je suis mature quand même. Si t'avais fait une soirée sur le cul éclaté, t'aurais tout explosé. Oh, c'est possible. J'étais de bonne humeur, je reviens de vacances. Ils s'en sortent effectivement très bien. Bonjour, Jody. Approche. Attends, lui c'est celui qui était dans la voiture quand j'étais ado ou pas, le chat? J'ai l'impression qu'il lui ressemble, mais je suis pas sûr. Je m'appelle Nathan. Nathan Dawkins. Je me suis dit que ouais, c'est lui. Ok. Qu'on discute toi et moi pour qu'on apprenne à se connaître un petit peu mieux. Ouais. Enfin, si ça ne t'embête pas trop, bien sûr. Bah si, ça me casse les couilles, mais bon. On va y aller. Hein. Qu'est-ce que je fasse d'autre façon? Elle est partie pour la meilleure discussion. Et voilà. Et en plus, ouais, j'ai rien à dire. Il filme. C'est d'étudier les événements bizarres et d'essayer de les comprendre. Mmh. Comme... Aiden. Les choses qui arrivent autour de toi. Tu vois, Jody? Oui. Alors, on va répondre logiquement. Je vais répondre des oui et des haussements d'épaule. J'ai pas lu. C'est une catastrophe. On est foutu. Haussement d'épaule, c'est parfait. C'est comme le c'est pas faux dans... Est-ce que ça fait longtemps qu'il est avec toi, cet ami? Depuis ta naissance? C'est un fantôme? Ou alors l'esprit de quelqu'un qui serait décédé? Est-ce que tu peux le dessiner? Il m'a craqué avant moi. Merci pour les subs, merci beaucoup. Oh putain, je suis mort. Et là, je vais dessiner deux épaules. Attends, là, je vais dessiner Aiden. Pour moi, c'est une boule, genre. Genre une boule de lumière. Mais apparemment, c'est pas une boule de lumière, là, visiblement. Ah, je colorie, là? Ok. Attends, parce que moi, j'ai vu son niveau en dessin dans tout début du stream, là. C'est catastrophique. Oh oui, d'accord. Okay. C'est ce qui me semblait. Excellent. Tu testais le crayon? Ah, c'est Aiden. Ok, très bien. Ça t'ennuie si je regarde? Ça t'ennuie si tu peux recommencer? Alors... Cette chose, c'est ton ami, et il est relié à toi avec une espèce de cordon. Est-ce qu'il est avec nous? Tu peux lui demander de faire quelque chose? Allez.
Allons-y. On va faire un truc soft, hein. Ouvrir ça, ça me paraît ça. Oula, ça va être un livre qui tombe, je pense. Oui, alors. Bon. Bon, j'ai enlevé l'étagère, tu, mais. Tu lui dis ce qu'il doit faire et il obéit? Non, je dis pas à Aiden ce qu'il doit faire. Il décide tout seul. C'est moi qui décide. Il est comme un lion en cage. On est attachés tous les deux. Il peut pas s'en aller. Et ça le met très en colère. C'est pas de ma faute. Je voudrais qu'il parte, moi aussi. Mais j'ai compris le jeu. Il y a des... J'ai compris l'histoire. Pas de spoil dans le chat. J'annonce ma théorie. À chaque fois, mes théories, elles sont super tôt dans le jeu, mais là, j'ai encore une théorie de fou. D'après le titre du jeu, qu'est-ce qui se passe? L'âme était en train de rechercher son corps. Voilà, c'est annoncé, c'est cool, c'est pour moi. Et à la fin, on retrouvera le corps de Aiden, ce qui nous permettra de la libérer de l'étreinte de Cody. Je ne lis pas le chat, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Est-ce que c'est lui qui t'a fait ça? Ne dites rien, 143 de QI. Attends, c'est quoi ces trucs là? Qui m'a fait ça? C'était les monstres. Les monstres? Il manque peut-être quelques informations. Les monstres? C'est quoi les monstres? Genre les monstres de la jungle? Ah mais c'était de la merde ce chapitre. Ah mais c'est parfait par contre, on vient de passer le... Là on va être adulte. On va pouvoir avoir la diarrhée et tout, ça va être incroyable. Vas-y, let's go. Bienvenue à la CIA. Oh putain, on est recruté à la CIA en adulte. Let's go. Ah, j'ai pas lu le chat, hein. Bon, par contre, j'ai dû spoil tout le monde parce qu'il y a les gens spoilers qui se sont dit putain, c'est mon moment. Alors qu'ils étaient sages. Merci, Mixan, merci beaucoup. Non, je lis pas le chat, je sais que c'est risqué. En fait, quand j'annonce des théories, je suis obligé de pas lire le chat pendant au moins 20 minutes. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Pardon? Qui m'a mis cette coupe? Non, je peux pas jouer ce personnage, je suis désolé. Qui m'a mis ce... Ta chambre. Mais tu diras... Ah non, ça va. J'ai cru c'était... Non, j'ai cru que c'était une catastrophe. J'ai vu du côté, j'ai cru voir... Non, c'est une catastrophe. C'est bon, ça m'a rassuré. C'est bon, c'est normal. Non. J'ai eu très peur à un moment. Ok, ça va. Non, j'ai cru qu'on avait... On avait chié sur ma coupe de... Ma coupe de cheveux, qu'est-ce qu'ils ont fait à ma coupe de cheveux? Je vais tout casser. Je parle de ma coupe de cheveux, ils ont... Oh putain. Allez, Hans, bouge-toi un peu! Comment ça bouge-toi un peu? Ils se foutent de ma gueule. Qu'est-ce qui se passe? Tenez-vous prêt, mais je suis giga prêt, là. Là, je fais bas, là. Ok. Par contre, je vais dépasser celui qui est devant, là. Y'a rien à faire. Tu t'agrippes! Bah, je m'agrippe. Sers-toi de ton élan pour passer de l'autre côté! Allez! Attends, j'ai l'impression que les consignes qu'ils me donnent n'ont aucun rapport avec l'exercice où je suis en fait. Ah, si, c'est ça, Holmes! Continue! J'ai pas toute la journée! Oh, c'est Nathan! Ah, c'est juste avant ça en fait, c'est mes débuts à la CIA. Après, on a vu à la fin, mais c'est hier, ok. Quand l'action ralentit, met une giga droite dans sa gueule, ok, nickel. Suivez la direction du geste de Jody pour finir son mouvement, ok. Mais c'est ici ça. Bah, je sais pas, c'est quoi comme mouvement? Ah, c'était que ça. Ouais, mais moi j'aurais. Je pensais que c'était un coup de pied latéral. Et my bad. Mais tu sais que c'est impossible d'être deviné en fait, hein, s'il met pas le truc. Hein. Ok. Oh, le monstre! Encore une fois! Oh, calme-toi là! T'es parti. Pas que je rate. Boum! 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 Monstrueux. Monstrueux, les amis. Oh, j'ai cassé la gueule à mon chat. Truc que j'ai toujours rêvé de faire. Vise, tu tires. Ouais, non, mais ça tu c'est vas bon. Te remettre à couvert. Ok. Impossible, j'ai joué Marcus dans une... J'ai joué Marcus et Connor. Ça peut pas mal se passer. Hop, je vise, je tire.
RB. RB. C'est la pire touche. Dégage. Dégage de là. Non mais pourquoi ils m'ont mis RB, sérieux? C'est dégoûtant, ouais. Il veut que j'aille où, là? Oh putain. À couvert. Allez vite, remets-toi à couvert. Oui, c'est bon, je suis à couvert, c'est bon, calme-toi. À couvert. Tu vises, tu tires. Allez, vas-y. Ah, faut viser. À couvert. Allez vite, remets-toi à couvert. Mais attends, il y a une visée? Non, il n'y a pas de visée, on est d'accord. Mais c'est de la merde. Jeter un coup d'œil. Maintenir haut. Ah, pardon. Bien joué. C'était pas ouf, hein. Non, je vous le dis, c'était pas ouf. Mais j'ai fait... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, maintenant j'ai étudié. Mais putain, je me tape vraiment tout, là. C'est une équation second degré, ça. Non, mais ça, c'est easy, par contre. Oui, il y a un sur K. L'identité remarquable, c'est moins 1 sur K. En vrai, je m'en rappelle plus. Ah, d'accord, oui, ça, c'est... je m'en rappelle. Ça me faisait mourir, déjà. Ah ouais, ça c'est pas mal. Eh, et moi, je joue Kha'Zix, hein, sinon. Excellent, Johnny. Merci. Ok, recrue. Débarrasse-toi de ces barils de pétrole. Ces barils de pétrole? Ah, avec... ah oui, carrément, ils m'entraînent mon âme. Ah oui, d'accord. Ah oui, ils sont au courant, quoi. Bah attends, par contre, je sais pas si je prends en gros le plus petit, là. Attends, mais je suis un énorme con, en fait. J'aurais dû prendre en main. Mais quel animal. Ok. Bien. C'est à peu près ok. On continue. Continuons. Ta gueule! Allez, prends ça. Eh, c'est chaud en vrai. Oh oui, mais il fallait viser les couilles. On le détruit, mesdames et messieurs. Et je le termine avec... Ah d'accord. Bah tiens, fini l'entraînement. Attends, elle est contente. Mais sérieux, ça s'arrête plus là. On savait que je suis trop fort. Vous savez que je suis super fort à ça. Les gens qui disent que... Accélère. Et garde ton gros cul à terre. Bouge-toi un peu! Oui, c'est pour ça que je pourrais pas aller dans les militaires. Moi. Garde ton gros cul, t'es. C'est pas en me disant des trucs méchants que je vais avancer plus vite. Hein. Je fasse quoi là? Bouge-toi un peu, recrue! Tu fais pas ton putain de footing du dimanche! Oh putain de merde! Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fous, bordel? Mais pas les touches. Ok, il arrive, il l'a pas vu celle-là, il l'a pas vu celle-là. Bon vas-y, je pense que j'ai un peu de temps en vrai. Je problème si je connais pas assez les touches. RB. RB, là c'est RB. LB, c'est là. RB, c'est là. Pas les T, s'il te plaît, pas les LT et tout ça. Vas-y, go. LB, c'est là. RB, c'est là. Ok, let's go. Ok, on est bon, on est bon. Putain, fils de pute. Je crois qu'on est passé. Bon, mon point fort, c'est RT, c'est. Attends, RB, c'était. RT, c'est là. Ok, position. Non, on va pas faire le grand écart quand même. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai Jody? Pourquoi j'ai Aiden? Je vais lui replacer le. Bon, attendez, j'ai pas envie de savoir ce qui est en train de se passer là. Ah, je peux la soigner? Ok. Bon, comment je la soigne? Maintenez les deux heures sur la blessure. Oh, pardon, excuse-moi. Bah, c'est dur! Ah, c'est giga dur, what the fuck. Mais attendez, je suis nul à chier ou quoi?
Ok, je pense que c'est bon. Oula, je vais pas être très bon à ça. Ok, là je vais être très bon en combat. Je vais pas être très bon en soigne. J'ai fait un abdo. C'est à peu près pareil qu'Irel, c'est bon. Ok, 1. Oh non, s'il te plaît. 2. Putain! J'avais. RB. Ok. RB. LB. Et Y au milieu, c'est ça? Ok, ça passe, ça passe, ça passe, calmez-vous. Je dois en... Alors là, par contre, c'est mon point fort. En fait, j'ai des points forts et des points faibles. Là, c'est mon point fort de ouf. J'ai même fait la diagonale. Oh le point fort, oh le point fort. Oh le point fort. Oh le point très très fort là. Oh que oui. Oh que oui. Oh que oui. C'est passé, c'est passé, c'est passé, c'est passé, c'est passé. Oh putain, c'est semi-passé. Pardon ? Attends, je suis en train de faire rouler dessus là. J'ai raté une touche. Je spam B. Non, souffle non un peu, reprends-toi et ensuite. Mais ta gueule, essaie. Me raconte pas ta vie toi. J'ai pas compris la direction du coup qu'il fallait que j'esquive là. Putain, j'ai le démon, j'ai foiré. C'était mon point fort en plus. Oh, ça c'est à chier ça, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais les phases de tir c'est... Attends, c'est des vrais. Oh putain, faut que je. Oh, je vais me chier dessus, je vais rater, c'est sûr. Putain, les mecs, je vais foirer, c'est sûr. Mais je le sais déjà que je vais foirer là. Pff, ça va être ridicule. Attends, on va passer par là les mecs. Je sais pas, vas-y go là. Ok, ça passe, ça passe, ça passe. Vas-y, je vais essayer de pas être trop mauvais, mais j'aime pas du tout ça. Utiliser Aiden pour détruire. Ah oui, pour distraire. Oh putain, mais faut que je me dépêche. Ah oui, genre je fais péter ça. Excellent comme idée. Là il y va. Parce que là il se dit what the fuck. Moi au même moment, j'attends un peu et j'y vais. Là-bas, là-bas, fils de pute. Ah, élimination carrément. Non mais attends, c'est un truc d'entraînement, Jody, là tu lui as pété la gueule là. Enfin c'est ton collègue de bureau là que tu. Si on en est là aussi. Elle vient d'exploser son collègue de bureau mec. Attends, là je dois faire quoi les mecs? Et je pense que je peux aller là-bas. Comme ça. J'attends ou je dis? J'attends ou Aiden? Non j'a... Mais tu viens de péter la gueule à Didi, on a mangé ensemble ce midi, putain! Bon, ouais. Je vais aller. Je sais pas où je vais, je sais pas où je vais. C'est une catastrophe, ça ressemble à rien. Qu'est-ce que c'est fait? Ok, mais là on peut avancer, je pense, hein. J'ai le temps. Avancer et élimination instant. Élimination instant! Salut José! On se voit ce soir, José. Je go Aiden. Je sécurise l'objectif final. Objectif final sécurisé. Oh putain, y'en a sur le toit! Attends, comment je le chope lui? Attends, je go Aiden encore. Aiden toi. L'enculé, je l'avais pas vu. Mais attends, si je lui donne froid, ça va être à chier encore. Ah d'accord, donc Ah oui, d'accord, je vais péter les gueules. Mais attendez, mais c'est gagné là, j'en ai un que j'ai... Mais attendez, vous savez... Oh putain, non! Faut que je recommence. Le coup des tonneaux. Bah ou alors lui directement, je sais pas. Attends mais, what? J'ai rien de dispo là? Putain, les tonneaux, c'est terminé. Mais je suis dans la sauce. Comment je vais faire? Faut que j'aille maintenant. Je vais au chapiteau, hein, c'est gagné. Hein. Okay. Pas mal, Jody. Mais si c'était pas un exercice, tu serais déjà morte. Si c'était pas un exercice, je devrais pas toucher un drapeau, en fait. Tu serais même pas capable d'ouvrir ta grande gueule, Ryan. Félicitations, agent Holmes. T'as réussi. Bienvenue à l'agence. Ce qu'on lui a mis. Merci, monsieur. Ouais, Jody. Bienvenue à l'agence. Eh ben, on dirait que t'as réussi. Bon boulot, Jody.
C'est moi. Toutes mes félicitations. C'est moi qui ai fait ça. Quelle est la minute 18? Je m'en fais une petite dernière parce que là je commence déjà à giga kiffer. Allez, vas-y, go. À la vôtre. C'est parti. Fugitive. Bon, je le sens très mal ce chapitre, je sais pas pourquoi. Comme un goût de caca là. C'est quoi, c'est ado? Moi ado c'est mes préférés moi. Ado adulte. Je sens l'adolescente là. Quoique. Bah alors, adolescente j'étais sous un placard, là je suis en train de prendre le coup de l'art express. Pour l'instant le. Oh c'est ado ça c'est ado ça. Oh c'est totalement ado mesdames et messieurs. On va se régaler dans ce train. On va se régaler dans ce train. Bon alors attendez, comment on va gérer le truc là? Attendez. Mais moi j'ai pas besoin non? Ah si, je suis obligé de faire un truc. Mais je... Ah, je me suis auto-réveillé. Aiden a réveillé. Aiden, arrête un peu, ok? C'est incroyable ça. Je me suis réveillé. Je me suis rendormi. Je vais me donner froid. Je sais pas ce que je peux faire d'autre. Ou alors je suis une maladie. C'est bon, lâche-moi, Aiden. Tu t'occupes de moi maintenant? Fous-moi la paix, j'ai pas fermé l'œil depuis 3 jours. Ok, je suis crevée. Oh là là, bon, bah on va s'amuser un peu en attendant qu'elle. Madame doit dormir parce que elle a pas dormi depuis 3 jours. Oh putain, elle est le Covid. Non, alors lui, c'est hors de question. On va aller là. Faire un petit kiff. Oh là là, il y a du vent dans ce train. Hein. Et dans ta valise aussi, y a pas. Attends, ça c'est horrible comme bruit ça. Elle s'en est battue les couilles. Elle s'en est totalement battue les couilles. Mais... Ah c'est bon. Je me suis bien amusé. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, mais me dites pas que tout le monde m'attend à la sortie, je vais me faire choper comme un poisson là. Oh putain, va falloir être giga sneaky. Ok, c'est mon point fort. Heureusement, putain. Ça aurait été un de mes points faibles, on serait dans la sauce. Ok. Ah oui, non, là c'est point très faible là par contre. Non mais attends, qu'est-ce qu'on fait là? On les détruit tous? Je vais mettre 2 heures. On dirait que c'est pas prêt de se calmer. Je vais écouter. Ah oui, non mais c'est bien, il me cherche. Non, il rentre. Oh merde, je peux pas plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Attends, mais faut la réveiller là. J'ai plus rien pour la... Oh, la bouteille d'eau, vite. Y'a la police? Aiden, y'a la police. Qu'est-ce que tu m'avais dit de... Oh merde. Bonsoir. Contrôle de routine. On se Madame, casse. Retournez à votre place, s'il vous plaît. Merde, c'est elle. C'est elle. Ok, ok, je suis un monstre. Mais cours. Attends, c'est sa vitesse max. Police. Non. Oh putain, j'ai déconné. Hey, faites gaffe. Tout le monde à terre. Je sais pas si je réussis. Police. Oh putain. Ok, les gens s'en battent les couilles, c'est excellent. Quelqu'un veut pas me carrer le cul? Casse-toi. Eh, hey, ça va pas? Ta gueule. Vite. Quoi? On saute là? Vite, Aiden! Brise la fenêtre! Ah oui! Ah, on s'en bat vraiment quoi? Non, mais attends, on va sauter par la tête là? Ah, on va sur le toit, tu me rassures. Non mais j'ai cru que tu voulais sauter.
Non mais c'est... Non, je pue la merde. Une fois le câlin. J'ai pas réussi, je suis dégoûté. Pied dans les couilles. Par un geste, arrête-toi où je tire. Attends, mais on va faire quoi avec les chiottes? Mais encerclé. Ouvre cette porte. C'est quel bouton qui bouge comme lui? Ah, c'est celui-ci, ouais. J'avais besoin de savoir ça. Comment ça marche pas? Aide-moi, Aiden! Ouvre la porte ou on va la défoncer! Oh putain! Let's go! Oh putain! Ok. Ok, pas de panique, pas de panique. Elle a perdu son chapeau! Oh, ça a l'air chaud là. J'ai pas une bonne caméra, j'ai pas une bonne cam là! Oh merde! Il faut qu'on le pousse, hein. Y'a pas le choix, y'a pas le choix. Mais j'ai pas compris, c'était quoi? Je comprends rien, c'est une drogue. Je suis en train de me faire détruire le cul. Ok, ça passe. Faut l'esquiver, faut l'esquiver lui. Faut l'empêcher de monter, faut l'empêcher de monter. Putain. Oh, faut pas que je déconne là. Oh là là. Oui, oui, oui. Oui, oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Attends, ils sont combien, sérieux? Garde les mains bien en évidence! Aide-moi, Aiden! Il nous faut des renforts, et vite! Elle se suit! Ah, je la soigne pendant qu'elle saute? Je comprends rien. Je suis en train de me faire une sorte de bouclier pour prendre moins de dégâts, je dirais. Attends, mais je suis broken par contre. Ah, c'était chaud là! Eh, j'ai géré le combat, vous avez vu en vrai? Eh, le combat, j'ai géré de ouf en vrai. Non, mais neutre. Non, j'ai géré, hein. Ouais, j'avais une barrière, ouais. Bon, par contre, on est en plein milieu de la forêt, quoi, mais bon. En vrai, je suis content de mon combat. Pas ouf! Mon combat, pas ouf! Tu veux la manette? Oui, je sais. Il faut qu'on tire d'ici avant qu'ils reviennent. Mais il parle, Aiden? Je suis sur un tout droit. Oh non putain, pas des chiens. Oh non putain, merde. Non mais sérieux, c'est pas possible. Mais j'ai l'impression que... Passez par l'autre côté. Oh merde. Mais je prends 100% des sauces. Qu'est-ce que vous attendez, les déluges? Enfin, je tomberai pas, je vous préviens. Je suis pas assez con pour tomber là. Là je descends. On voit pas tout, on voit mal, on voit mal. Ok, une branche. Ok. Là on va descendre. Ok, là on descend encore. Oh putain, ils m'ont mis du côté ces bâtards. Ok, excellent. J'ai un V9. Zéro chute, j'ai beaucoup d'avance. C'est quelle touche? NB. Quoi là? Mais non, mais non, je suis un poisson, je suis un saumon.
je passe par où là? Il y a un chien, il y a un chien à droite. Oh putain! Oh putain! La viewer de Marex! À l'aide! Putain de merde! Ah non, mais par contre, il est énervé là! Il est sûrement diamant 2. Attends, on est en combat avec des chiens, s'il vous plaît, please! Oh non, mais non, mais j'aime trop ces bêtes! Après, faut que je leur pète la gueule, quoi! Un câlin. Ils sont 100% envoyés par Barrex, y'a rien à faire là. J'arrive pas. Je suis en train de me faire gigamob. Ah oh bah ouais, je boite hein. Bah ouais, où est-ce qu'elle est passée? Attends, mais je dois aller vers où là? Oh, je sais même pas vers où faut aller. Oh, c'est pas possible. Je suis au pire endroit. Ok, ils sont par là, faut aller de... Ils sont partout. C'est fini, les mecs, c'est terminé. Quand y a du stress comme ça, je sais pas quoi. C'est terminé. Je suis allé du mauvais endroit, je crois. Ah non, fallait aller vers là. Peut-être monter? Ou la caverne? Attends, y a un trou là, non? Je sais pas si je vois mal. Y'a un trou là. Faut monter. Tu vois quelque chose? Oh non, pas les touches, please. Ok, j'ai tapé bon. J'en ai réussi deux. RT. LT. Le monstre. On a besoin de lumière. Pas plus. Arrête avec les touches derrière. Arrête. Je vais me rater. Pas les touches. Donne-moi juste les ABC grecs. J'arrive pas. RB, c'est où? Quoi? RB. Donc là, tu vous vois êtes quelque chose? Là, je suis pas vu là. Il y a que des rochers. Non, elle aurait jamais pu grimper là-haut. Merde! On a dû la rater. Zut. Alice, rappelle-moi tout de suite ces saloperies de clébard. Merci Ritora, merci beaucoup. Oh, pas d'autre embrouille s'il vous plaît, je viens de me taper un truc de fou furieux. Attends, je viens de voir des policiers ou je rêve là? Oh non, please. Non, attends, j'ai mal vu là. Ok, ça va, ils sont pas en mode... Enfin, ils sont quand même là quoi, mais... Y'a moyen de moyenner quelque chose quoi, passant par la gauche. Ou alors, je leur prends un véhicule. Oh non, attends, je suis en train de chier là. J'appelle Aiden hein. Ouais, je vais appeler Aiden. Je sais pas pourquoi, mais je vais l'appeler là. Oui, vas-y, Aiden. Ah, mais il me l'active tout seul, putain. J'en ai ma claque de toute cette pluie. Putain, on dirait que c'est pas prêt de se calmer. Une moto. J'espère qu'elle va bien fort. Pile ce qu'il me faut. Ok. Je fais quoi? Je prends la moto? Ou je me casse? Je peux pas prendre la moto. Qu'est-ce que je fais? Je peux passer là? Non.
comprends pas ce qu'il veut que je fasse avec. Prends la voiture? Bah non. Ah, dans le coffre. Tu peux casser la gueule des policiers, mais j'arrive pas à passer de l'autre côté. Ah, oh, mais t'as peut-être raison, c'est peut-être un truc avec le coffre. Ah oui, t'as raison. Oh putain, non, je vais tirer sur les autres policiers. Ils vont péter un câble. Enfin, ils vont pas savoir que je suis possédé, mais... Putain, Mike! Qu'est-ce qui te prend? Quoi? T'es cinglé? Pose-moi tout de suite ce putain de flingue! Hey, tu peux me dire ce que tu fous là? Allez Mike, ça suffit. T'as pété un câble. On se casse. RT. Oh, j'ai tapé la bonne touche. Ah, c'est à moi de conduire. Oh putain de merde. Je suis un joueur Trackmania. Oh putain mec, c'est impossible à déplacer quoi. Et what the fuck. Ok, ça passe, ça passe. Oh putain, je me suis arrêté. Ok, je passe. Sérieux, c'est quoi cette vue de merde? J'ai l'impression que je conduis mieux là. Je crois que je suis complètement bourré hein. Oh putain de merde. Je me prends une barrière. Oh non, 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 non. Je suis dans la terre, je suis dans la terre, je suis dans la terre. Je vais dans les choux. Ok. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, droit, le mot droit, droit. Penche à gauche. Calme-toi. Un petit peu. Bon, c'est terminé. C'est, on peut open. On va tenter un move là. J'aurais pas tenté ça moi. J'aurais tenté plutôt. Non, mais attends, c'est fini là. Tenez votre position. Oh là 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 là. Faut chaud du bon. Ou alors Aiden me fait un pas truc le choix. De fou. Aiden? On va devoir passer tout droit. T'es prêt Aiden? On y va. Aiden, j'ai besoin d'aide tout de suite. Tout de suite quoi? Ah, sur moi-même, ok. On se fait la barrière? C'est ça? Ah oui, c'est la barrière. J'arrive pas à faire mieux? À couvert. C'est un perso saison 10 ça. Ne tirez pas. J'ai dit ne tirez pas. Bah t'as dit ne tirez pas parce qu'on t'a baisé. On l'a loupé. Je répète, on l'a loupé. Elle va vers Bakertown. Bon, je suis broken, hein, je l'annonce. Je suis giga broken. Fin de chapitre. Putain, c'est beau. C'est beau la vie. Pas du tout fin de chapitre. Absolument pas. C'est loin d'être terminé. Allez, on bouge! Qu'est-ce que c'est que cette anguille? Ça s'appelle la solution de facilité, ça, madame. Mais bon, je vais le faire quand même.
Ah non, je vais tirer sur tout le monde. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh merde! Oh la boulette! Je me suis trompé de touche. Bon, je vais avoir un autre corps, non? Mais je vais posséder lui. Ah, je peux posséder que les... Oh la vache, il est rouge. Ça veut dire que lui, il a limite un peu envie. Lui, c'est un végétatier, lui. Eh, vieux, est-ce que ça va? Oh merde, 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 merde. Non, 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 non. C'est pas possible. Non, s'il te plaît, redeviens rouge. Please. Attends, il faut que je centre ou que je descende? Oh mec, c'est Vegeta. Lui, il avait un peu envie de tirer sur ses coéquipiers, tu vois. Attends, mais il est mort, là. Mais... Il me refaut un jaune, là. Ok, nice. Ok. Il a eu le temps de tirer! Non, c'est pas possible, je dois avoir plus personne. Non, donnez-moi encore quelqu'un, please! J'ai semi-déconné, mais. Oh non, 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 non! Il doit rester quelqu'un, c'est pas possible. Non, sérieux là? C'est quoi ma vue là? Y'a plus personne de jaune là? Et je suis dans la sauce? Ah, peut-être que je peux les choper. Ah non, la voiture, y'a la voiture. Je vais en enlever 3 avec. Hein? Mais un, c'est à chier. Et la voiture, je vais en enlever 2. Il faut que tu les arrêtes, Aiden. Sinon, ils vont essayer de me tuer. Je tire. C'est elle qui l'a pété. Faut qu'on fasse quelque chose. Ils sont 3, ils sont 4, ils sont 5. Jamais. Abandonné. J'ai encore plein de trucs de prévu. C'est naze. Mais attends, mais il tire sur qui? Attends, il est possédé lui un peu? Il est un peu vert? Ah non. Putain, ce serait tellement plus simple si j'avais pas déconné. Oh là 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 là. Ok, c'est mon moment là. Vas-y, vas-y. Arrêtez de tirer! RB, LB. Allez, c'est bon là, je fais tout très vite là. RB, LB. Instant lumière, vitesse lumière, vitesse lumière. RB. Elle me frappe pas la peau. Non mais en fait je peux pas optimiser, c'est pas possible. Non mais là il y avait rien à faire. Il est caché cet enculé. Je peux rien lui faire à lui en plus. Il me reste qui là? Il me reste 5 mecs là. Mais ça va être... Je vais juste péter la vie, ça va servir à rien. Il y a des soldats partout. Aide-moi Aiden. Putain, aide-moi. Bah je t'aide là. À couvert. Oh. Oh c'est pas vrai. Il va écraser tout le monde. Oh oui. Donne-moi ta meilleure course, RP. Mais il va où? Chopez-la! Allez! Aiden, ils arrivent! Empêche-les de m'atteindre! Mais t'es où toi? Oh, on est là? Attends, c'est qui ça? Empêche-les de m'atteindre! Aiden, je peux pas entrer! Ouvre la porte! Oui, 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 la porte. Oui, je l'ouvre, je l'ouvre. Rentre. Mais je sais pas ce que je vais faire, je peux plus rien faire, je ne peux plus rien faire. Ils avancent, je peux rien faire. J'aurais dû attendre en fait, les voitures c'était quand ils étaient proches. Oh putain de merde, mais comment je vais faire? Mais c'est fini. Faut qu'il me... Non mais on a perdu là, je crois. On a perdu la run là. Y'a un truc là, vite fait. Il se rapproche. Vite, il faut que tu m'aides. Vite. Mais c'est à chier, putain de merde. Les ils vont m'attraper. Allez, Aiden, aide-moi. Mais... J'ai plus de points. Je n'ai plus de points. J'ai un point là, vite fait. Je vais le faire, mais il est à chier. Non, mais c'est de la merde, sérieux. Ils vont entrer. Allez, je t'en supplie. Fais quelque chose, Aiden. Ça y est, j'ai des points. Faites ah non, c'est points, je prends de merde. Vous avez vu ça? Quoi, l'hélico? Comment ça l'hélico? C'est trop...
Ils vont arriver d'une minute à l'autre. Aiden, putain, aide-moi. L'hélicoptère. Bah, l'hélicoptère, quand je suis dedans, tu descends l'hélico. Descends l'hélico? Mais je sais pas piloter. Bancale. Hop, problème réglé là. T'as sans lire le chat en plus, je suis monstrueux. Hein. J'arrive à faire le jeu en entier comme ça tout seul. Bon, nickel. Putain de merde. Dites-leur de me foutre la paix, d'accord? Parce que la prochaine fois, je vous tuerai tous jusqu'au dernier. Ah mais elle est énervée quand même quand... On y va, Aiden. Mais attends, elle a cru que j'étais son chien ou quoi, genre? On y va, Aiden, elle m'a lâché. Mais attends, mais je suis pas ton chien, moi. Mais attends, elle m'a mal parlé, là. On y va, Aiden. On y va, s'il te plaît. Bon. En vrai, j'ai géré toute la fuite sauf la fin. Je vais regarder le pourcentage des joueurs ayant également suivi ces voies. Enfui dans le train, 81%. Ok. Sur le toit du train par les toilettes, 67%. Donc j'étais dans la moyenne. Enfui dans la forêt, 76%. Enfui à moto, 91%. Ville détruite, 98%. Il y a juste le 98% où j'ai failli puer la merde. Ça, c'est marrant, c'était le plus facile. Mais comment ça se fait? Vous voyez, c'est ça. Je me rends compte que mon cerveau n'est pas à l'endroit. Le truc le plus simple pour les gens a été mon truc le plus dur. Je pense que c'est parce que je suis con, en vrai. Non mais en vrai, je me demandais, faudrait que je fasse un test de QI. Hein. C'est bizarre, en vrai, là. Après, j'ai réussi des trucs qui étaient plus durs, tu vois, mais... Non mais c'est vrai, en vrai. Je sais pas si j'ai vraiment... J'ai peut-être moins que 143, mais ça me paraît très bizarre, quoi. Bon, je vais arrêter là. Bah, le problème, c'est que vous savez pourquoi j'arrête là? Parce que je suis en Yes Life, les amis, car je suis parti en vacances. Fini les crocos à 5h du matin à lancer une petite solo queue. Maintenant, c'est 18h, 20... minuit, 1h. Bah oui. Je vais tenir My Yes Life. Et chaque jour, je mettrai un petit bâton de My Yes Life. Tant que je me lève avant 11h, je considère être en Yes Life. Je vais mettre un bâton cette nuit. Et chaque jour, on parlera du prochain bâton. Et si j'arrive à tenir 7 jours avec un bâton, je m'auto-récompenserai. Si jamais je ne tiens pas 7 jours avec un bâton, j'offrirai 10 subs. Pour l'instant, le premier bâton est atteint. Tu peux pas nous faire ça. Non mais écoutez-moi, c'est pas parce que vous êtes dans la Peace Life que vous devez directement m'emmener dans votre Peace Life de merde alors qu'il m'a fallu une semaine pour en sortir. J'ai tout donné pour sortir de cette Peace Life. C'est pas pour revenir en une soirée m'enculer mon rythme à faire un marathon League of Legends jusqu'à 12h30 pour aller me coucher à 13h avec le soleil dans ma chambre et pleurer. On est d'accord? Non, je suis désolé, mais je vous laisse dans votre Peace Life. Excusez-moi d'être en Yes Life. Merci pour tes 3 mois, Loust. Merci Ritora, Dako, Stergan, Taruki. Merci beaucoup, c'est gentil. Bah, demain, je lance tôt et on fait LOL et puis après on voit. On voit selon comment sont les games de LoL. En fait, tout va dépendre à chaque fois de comment sont les games de LoL, je pense. Ça me paraît être un bon call. En sachant que mercredi, il y aura le début de Fall Guys, donc je vais pouvoir train. Donc, en sachant que demain, on est quoi? On est lundi. Donc, lundi, mardi, il y aura... Lundi, mardi, c'est League of Legends into... Bien tout seul. Mercredi, j'ai peur de perdre ma Yes Life. Je vais pas vous mentir, c'est le moment fatidique pour moi. On verra. Merci Elite, merci beaucoup. Après... Ah, Fall Guys, pardon, excuse-moi. Ton ressenti sur le jeu, bah il est bien en vrai. Ça va au niveau du stream, ça passe? En vrai, vous avez passé une bonne soirée ou pas? Moi, en vrai, c'était bien. En vrai, j'ai bien aimé. Un peu comme D3, vraiment, c'était un peu le même délire, j'ai trouvé. C'est passé trop bien. Ok, nickel. De toute façon, on se revoit demain. Hein. Tranquille alors. Adoré, Negraku. Nickel. Nickel. Trop bien. Bah, nickel alors. Si vous avez aimé, que j'ai aimé, c'est parfait en vrai. C'est la meilleure recette, n'est-ce pas? Ah, mon ventilateur! Oui, alors j'ai pas de couvercle sur mon ventilateur, donc si je bouge un peu mon pied. Je me fais couper le doigt de pied, quoi. Ok, bon, ok, nickel. Bah écoutez, alors moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain. Et puis, c'est mardi, Fall Guys. Oh merde. Ah, demain, alors demain,
Je vais faire la moitié du jeu alors. Ok, demain on fait un live super tôt. Ok, écoutez-moi bien. Demain je lance à 18h, je lol jusqu'à 22h et je vais sur Fall Guys après. Je vais sur Beyond Two Souls. Ok, vas-y, à demain. Bisous, bonne soirée à tous. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux pour mon retour. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain, d'accord? Ciao, ciao. Bisous les amis, bonne nuit à tous. Soyez sages. À demain. 18h pétante, 18h-19h, hein, on s'en bat les couilles. Discord, hein, évidemment, parce que sinon je vais sûrement turbo-int. Donc si vous voulez savoir exactement le début du live, bah Discord tire quoi. Allez, bonne nuit.